Ok, d'accord. Si vous l'accès. Il y a des points de contrôle, vous avez les pupitres hein, du PC, et tout a été activé. Tout est passé au vert. Est-ce qu'on peut tout refermer? Vous pouvez fermer manuellement, ouais. Eh, ils sont dehors, ils sont dans la cour, c'est qu'on peut peut-être verrouiller la cour et ils sont restés bloqués dehors. Peut-être. Bah, on verrouille tout déjà, on va les isoler, il y en a qui sont encore dans les baraquements, c'est C'est dans les ça. Bah, quartiers, du ça se coup, trouve. je vais utiliser les caméras, du coup, déjà fermer la cour. Ok, donc Si je peux. Vous essayez de Et refermer tous surtout, les accès. d'abord le poste sécurité où on est, hein, surtout. Ah ouais. En premier. Bah, c'est ça, mais de toute façon, vous enfermez. le problème, Pas de soucis, et vous fermez tout ce que vous pouvez pour isoler les groupes qui sont répartis dans la prison. Putain, on s'enferme avec ça. Est-ce qu'il y a aussi déclenchement, alerte générale, un truc comme ça? Oui, toutes les alertes, elles y sont, là, vous pouvez déclencher tout ce que vous voulez. Ah bah, moi, ah bah j'appuie sur... le gros bouton qui appelle à l'aide. Il y a marqué à l'aide dessus. Bon, forcément, ça appelle la garnison qui est en train de se battre, donc ça ah. c'est secondaire. Les alarmes. Ouais, mais ça va se mettre enfin au gouverneur. Et surtout, vous espérez que ça prévient effectivement les autorités. Il n'y a pas d'ailleurs une ligne vers l'extérieur vers le commandant de la prison, un truc comme ça, ou le ça, PC général. Il faut aller au QG contrôle secteur, mais vous pouvez contacter le QG contrôle secteur. Ben, j'essaie de les contacter. Y a plus personne. Contrôle secteur, ici poste de sécurité L1. Je coupe le truc. Ah. Si t'as des prisonniers là-dedans, ils savent qu'on est là maintenant. J'attends. Oh putain. Je vais dire le mot. Mais pas le. Et je le dégage. Je m'en vais, mais pas. Parlez quand même pas eux, merde. Ça prend pas beaucoup de temps avant que vous voyez que vos portes d'accès. S'ouvrent. Sont réactivées en ouverture. Ah merde. Oh putain. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Il faut partir d'ici. Faut partir. Yeah, alors, donc tu nous disais qu'il y avait des sorties de secours au niveau des PC sécurité. Oui, des sorties de secours qui permettent d'atteindre l'étage inférieur. Ah, la cour. Excellent. La cour idée. Ou les étages. Ou les la partie administrative de la cour. Ah, ok. Qui est derrière la ligne de... Voilà, qui est derrière la ligne de la garde. Très bien. La ligne tient toujours, là. Ils en chient, mais ça tient. Bon, bah, maintenant. On y va. Que vous commencez trucs, à sortir. C'est camouflés ou ça se passe comment? Enfin, c'est. Oui, bah, c'est-à-dire que c'est... en fait, c'est des tunnels. Voilà, ouais. C'est. Okay, ouais. C'est plus en extérieur. C'est-à-dire, du coup, est-ce qu'on peut le refermer derrière nous pour éviter que les prisonniers nous suivent et dans le couloir? Vous pouvez le fermer derrière vous. Ok, bah, on va faire ça, ouais. De toute façon, les prisonniers en question, ils sont pas loin. Faut pas Certes. Beaucoup de temps pour vous commencer à voir les formes hein, qui commencent à s'agglutiner devant les postes de contrôle depuis les vitres, hein, vous les voyez. Hein, et quelqu'un a dû les prévenir en tout cas. Les gars, il faut y aller. Ah bah moi je suis déjà parti, c'est parti. Putain, il y a des connards qui ont pris le contrôle du poste de sécurité centrale. Évidemment. Non mais c'est eux qui ont tout ouvert et c'est une évasion, non, c'est prévu quoi. Alors tu m'expliques comment ils ont pu prévoir de transformer le poste de sécurité en bouillie? J'en sais rien, bordel, descend! C'est peut-être une arme secrète? Ouais. Une arme secrète, ouais. Qu'ils ont fabriqué avec de la merde de rats et des surins? Non, mais pas les mecs, c'est peut-être des gens de l'extérieur qui viennent les aider. C'est forcément de l'extérieur? Bah, pour avoir ce genre de pouvoir, de puissance de feu, oui, ça c'est clair. Bon, on trace hein, en attendant. Hein. Ouais, mais oui, c'est bon, on dit ça en avançant. Si eux ils avancent pas, moi je pars devant, hein, je les laisse. Là, vous cherchez pas, hein, vous tirez, je comprends bien. Ah oui. Et si on peut, on essaye de bloquer discrètement, David. Ça, c'est important. Vous filez à travers les couloirs de avec couloirs d'urgence. Avec précipitation, mais discrètement. Votre objectif demeure de sauver vos peaux, hein, puisque Absolument. Vous savez que... Ah, de sauver nos petits culs, oui. Le QG sécurité est compromis. Ah ouais, c'est... Vous arrivez à l'étage inférieur. Ouais. Quel enfer. À l'aide. Vous passez par l'évacuation d'urgence. Ouais. Et vous atteignez les baraquements. Ok. Rappelez-vous, il doit bien y avoir un endroit où on peut évacuer ici. Bah, il y a la sortie au bout du couloir. Hein. En sortant des baraquements, droite c'est la cour, à gauche c'est la sortie. On essaye.
Alors, on traverse les baraquements, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. C'est là où il y avait les gars. Ouais. Donc on traverse le baraquement et on va pour sortir dans le couloir et on va faire gaffe au niveau, en arrivant dans le couloir, que le barrage tient toujours. Vous arrivez dans le couloir. Le barrage, il tient. De ce côté-là, pas de soucis. En revanche, dans la foule qui est en face, il y a la masse qui se concentre au même endroit, quoi, si vous voulez, et qui commence à faire pression. Car les mecs se font descendre, mais ils avancent quand même. Uh-huh. Oh putain. Je tire pour aider les gardes. Petit camarade. Ouais. Moi, tu tires ce que tu peux. Moi, j'avise plutôt la sortie. Ouais, pareil. Non, mais je fais ça en reculant. Non, moi, c'est en avançant. C'est en passant, tu vois, j'arrose un peu. Moi, c'est en avançant. Je regarde pas derrière. Ok, donc tu larges, Edouard, vous vous barrez en courant, hein. Voilà, cherchez pas. Vous vous carapatez. Putain, ouais. Courageux, mais pas téméraire. Oui, c'est tout ça. Rien du tout. Pour l'empereur. Les portes sont toujours ouvertes les unes après les autres. Ok. Et lorsque vous arrivez au niveau du poste de garde qui contrôle la sortie principale, c'est pareil. Ah. Tout est déchiqueté. Tout est déchiqueté et c'est ouvert. Putain. Bah allons-y. Ce poste de garde là, lui aussi, il est... Il peut être supplanté par le poste général. Ouais, le QG de sécurité, c'est lui qui supplante le reste. Ok. Ben on sort. Ouais. Attends, est-ce qu'on peut entrer dans le poste de garde là, vu que c'est déverrouillé? Oui, c'est déverrouillé. On a le temps derrière ou pas? Bah ouais, en fait, si c'est la même chose dans tous les autres parcours, c'est pas la peine de. Bah de vas-y, regarde, nous on surveille le couloir. Bah je fonce dans le poste et ouais. je cherche la caméra, là par contre le poste je connais pas très bien. Je cherche la caméra qui donne sur la porte juste de sortie, là à côté de laquelle on est, mais de l'autre côté. La porte qui montre où est la sortie, ouais. tu la trouves, hein, tu fais passer les écrans au pire en mitraillant comme tu peux. Je regarde si y a assez vide, si c'est plein d'évadés. C'est plein d'évadés. Oh putain. Attends, c'est-à-dire qu'ils sont déjà... Ils sont en dehors de la prison? Je regarde les autres caméras. Mais qu'est-ce qu'ils foutent à dehors? Qu'est-ce qu'ils font? Ils font un barbecue dehors? Ils attendent? Qu'est-ce qui se passe? Non, ils attendent, oui. Ils se regroupent au fur et à mesure. C'est... Vous comprenez pas spécialement comment. Ils sont dehors ou ils restent une enceinte? Non, ils sont dehors. Après, c'est autour de vous, de toute façon, c'est vide. C'est une grande zone vide. Pourquoi ils s'enfuient pas? Y'a que... Tu sais pas. Y'a que. Est-ce qu'il y a l'air d'avoir un mec, un leader qui s'est mis en hauteur en train de parler ou... Non, y a pas l'air d'avoir de leader qui est au clair, voilà, en train de faire c'est moi le grand chef. Mais ils s'accumulent, t'en as certains qui passent. Visiblement, ils arrivent à passer par les mêmes chemins que vous. Ils ont pris des chemins d'urgence et ils sont en train de se tirer par là. Putain. Mais genre, ils restent. Ils se regroupent et ils bougent pas. Ils... Mais y a rien en fait, ils peuvent pas aller plus loin en fait. Y a de la civilisation sur cette planète ou y a même carrément rien? Y en a, mais c'est loin. Oui. Ouais, bah, mais est-ce que, bon. Est-ce que je peux verrouiller la porte qui est du coup dans notre dos? Fais pas ça. Parce que oui. Du coup, j'imagine que le PG sécurité va le voir. Ouais, mais ils vont le. Ah oui, putain, ils vont leur dire. Ouais, j'ai pas envie de me retrouver comme les mecs par terre là. Oui, mais là, on a 500 prisonniers qui arrivent vers nous et y en a 2000 dans la cour dehors. On fait quoi? Faut un endroit qui soit. Les mines. Mais il faut passer à travers la foule pour aller dans les mines. Le seul truc qui reste, c'est l'administration et le bureau du commandant. On peut passer par le mitard. Le mitard aussi, il est dans la cour centrale, on peut pas y accéder. Ouais, là. Mais. Attends, est-ce qu'il y a bien une carte quelque part dans le PC sécurité, j'imagine? Oui, oui. Et du coup, je les traîne. Regardez. Là, c'est les tunnels d'évacuation. Alors, ça passe par les. C'est quoi ça? Par les baraquements. Mais ensuite, c'est un autre tunnel d'évacuation qui mène jusqu'au mitard. En fait, on pourrait essayer de passer par là, sortir du côté du mitard et foncer dans les mines.
Et vous voulez vraiment qu'on aille s'enfoncer dans les mines? Bah c'est le seul endroit où ils auront pas. C'est ça, ouais. Ça, on sait rien. Mais au pire, s'ils y vont, on peut essayer de se planquer. C'est un putain de dédale, ce truc. Donc au pire, on peut essayer de se planquer, attendre que la cavalerie débarque. Là, le problème, c'est que si on reste ici, on est entre le marteau et l'enclume. Oui, ça, je veux bien comprendre, mais... Il a raison. Il n'y a aucun endroit qu'on peut fermer. Ils s'en sortent comment, les copains, là, dans la cour? Mal. Putain, faut qu'on se casse tout de suite. C'est maintenant. Ça, ou alors, si tu veux, on peut essayer de remonter et choper le contrôle sécurité total et puis essayer de tout verrouiller. Mais, mon avis, s'ils sont pas débiles, ils ont laissé 50 gars là-dedans pour essayer de protéger. C'est peut-être ce qu'il faut faire, plutôt que de fuir. Moi, je dis, on fonce déjà au baraquement. Avant que le couloir soit pris. Je préfère mourir en essayant de reprendre le PC sécurité plutôt qu'en allant courir dans des mines radioactives avec la moitié du pénitencier au cul. Si ça peut te rassurer, j'ai plein de cachetons anti-radiation dans les poches. Bon, moi je vous dis, venez, je les pousse, on fonce vers le baraquement. De toute façon, si on veut monter, déjà, avant que le couloir soit pris en fait. Oui, oui, bougeons. Ok, donc vous tirez, on fait demi-tour, vous repartez vers l'intérieur. Mmh. Et vous empruntez les couloirs. Ah, du coup, le couloir de droite pour aller dans les baraquements. Pour aller dans les, okay, dans les baraquements. Vous y arrivez, et à peu de choses près, vous voyez, vous commencez à voir les premiers taulards en fait qui vous croisent. Ah. Parce que le groupe anti-émeute est en train de céder. Très bien. Bah, tu veux, si on les va foncer, on les ouvre. Enfin, ouais, c'est clair. Si les mecs foncent vers nous en mode, ouais, pouf. Si c'est une tenue de taulard, je tire, j'éventre, y a pas de problème. Ouais, vous en dessoudez un ou deux hein, qui avaient le malheur d'être passé à ce moment-là. Et vous filez vers les baraquements. Ouais. Vous êtes vite à l'intérieur. Dernière chance, Ragnus, tu es avec nous ou tu vas essayer de récupérer le PC de sécurité? Bah, je vais pas y aller tout seul, si vous partez dans les mines, je vous suis, mais je pense que c'est une connerie. Ah bah, je peux t'assurer que de toute façon, à 1 ou à 3, ça changera pas grand-chose. Non, on sera peut-être pas les seuls à y aller, on peut peut-être ameuter les gars de l'unité anti-émeute, ils sont tous morts. Bon, eh ben allons vers les mines. Je te rappelle quand même de croiser les mecs qui sont passés sur leur cadavre. Oui, mais bon, ils sont peut-être pas les, c'est peut-être pas les seuls. Moi, c'est juste un plan comme ça. Moi, c'est juste pour essayer de trouver un coin où se planquer. Si vous avez une meilleure idée, je prends. Ça me fait pas plus kiffer que vous que descendre dans ces mines. Non, mais... Moi, je préfère ça parce que le PC, c'est la folie. Quand ils seront tous sortis, ils vont pas crêcher ici dans la prison. Allez. Bon, donc, toi, tu files dans le couloir. Ouais, voilà, on suit okay. On trace. Donc, vous utilisez le tunnel d'évacuation hein, pour vous diriger à l'arrière des mitards. L'avantage, c'est qu'effectivement, les forces anti-émeute ayant cédé, les taulards sont pas priés. Ils traversent éhontément, hein, ils empartent le chemin vers la sortie. Et au bout d'un moment, bah, la cour devient plus ou moins accessible. Il y en a toujours qui traînent, hein, des retardataires ou ce genre de mecs. Mais c'est plus la masse immense qu'il y avait deux minutes plus tôt. Sinon, plan B, on attend qu'ils sortent tous. Et on essaie d'aller monter, choper le poste contrôle. C'est vrai que s'ils sont tous dehors, on a. S'ils sont tous dehors, on peut s'enfermer à l'intérieur. C'est ça. Il y a rien au-dessus du poste de contrôle général. Non. Les gars. Bah moi je dis on attend. Vous savez ce que j'en pense. Bah moi je propose qu'on se planque dans un coin, qu'on attende quand même un certain temps. Et qu'on y est quoi, on attend un quart d'heure. Ouais. Un quart d'heure et dès qu'on... On est certain que plus personne est en train de passer ou qu'ils sont pas en train de rentrer. Ouais parce qu'en fait s'ils se rendent compte qu'il y a rien à l'extérieur, faut pas non plus qu'ils commencent à vouloir rentrer pour fouiller, choper de la bouffe ou des conneries. C'est ça. Ok, donc vous attendez finalement dans les couloirs, le couloir externe qui amène au mitard, le truc où il n'y a pas de raison trop d'aller se balader. Puis du coup c'est ça, puis du coup on a une vision sur la cour donc. Et vous attendez. La masse s'éloigne, hein, il est plus là, même les retardataires deviennent de plus en plus rares. Visiblement, l'essentiel des taulards s'est tiré. Avec des armes pour certains d'entre eux.
Ouais. Oui, mais piquer. Vaut mieux qu'elle soit dehors qu'à l'intérieur. Tout le matériel des mecs anti-émeute y est passé, je pense. Ah oui, ça a été pillé. Il vous reste des munitions? Ouais, ouais. Non, est-ce qu'il faut? Putain. Donc on monte. Allez. Allons-y. Vous remontez? Ouais. Ouais. J'aime mieux ça. On passe par la cour ou pas? Bah, c'est le seul accès. Bon, on peut faire un bon chemin et prendre les tunnels d'évacuation, mais... Si, on peut remonter... Simple, passer par le poste, c'est plus... À mon avis, c'est... Le plus simple, c'est la cour, au final. Enfin, tu gagnes le plus de temps par rapport à passant par la cour. Ah, comme tout est ouvert, le plus rapide et plus simple, c'est la cour. Après, l'autre, c'est plus discret, quoi. Voilà, c'est... Vaut mieux jouer à la discrétion, là. Bon, d'accord. La cour. Ok. Ok, donc tu l'as, tu t'élances. Je le suis. Ouais. Donc bah, tous les trois, de toute façon, là, vous êtes au pas de course, hein, vous cherchez pas, hein, ouais. C'est... Vous traversez aussi vite que vous pouvez. C'en est à un stade où les rares émeutiers que vous croisez, soit de toute façon vous les abattez avant qu'ils puissent se moufter, oui. Soit même eux ont pas l'air de beaucoup s'inquiéter de vous. Oui. Ok. Au pire, ils vous voient passer, ils en ont rien à foutre, ils sont en train de se barrer, quoi. Ok. Tout est ouvert et il n'y a plus de... Bah, regarde, j'économise des munitions au bout d'un moment, quoi. Je comprends qu'il y a rien à foutre de nous. Ouais. Vous courez, vous montez l'escalier, hein. Tous les sas sont ouverts, aucun problème. Vous vous retrouvez à nouveau à l'étage, au niveau des PC sécurité, avec le QG contrôle secteur qui finalement n'est pas très loin, qui est accessible pour vous. Hein. Si tout est ouvert aussi, ce sera pas bien long. Bah allons-y. On a essayé de se remettre un peu en... Ouais. Arrêter de courir et se remettre, rester vigilant. Donc une fois que vous êtes en haut, vous voyez qu'il n'y a pas trop de monde, pour passer mode plus prudent. Vous avancez vers le QG contrôle. Et ça se passe plutôt bien. Pas grand monde pour réagir. Vous arrivez devant les sas d'entrée. Et eux aussi sont marqués au vert. On ouvre la porte. C'est directement le PC de l'autre côté? C'est un premier sas d'abord. En fait, y a un sas avec deux portes, faut entrer dans le sas, mais après derrière c'est le PC. Faut tracer dans le sas, les gars. Ouais. On ouvre et on fonce. Vous traversez, vous cherchez pas, dès que le sas s'ouvre, vous glissez à l'intérieur. Deuxième porte. L'intérieur, c'est la même boucherie. Les mecs ont été massacrés et c'est effectivement pas les taulards qui ont fait ça. Il y a quelque chose d'autre qui les a bousillés et vous savez pas ce que c'est. En revanche, les contrôles majeurs sont là. Oh putain, je me jette dessus et déjà je verrouille les accès extérieurs. Ok, alors toi t'arrives, c'est... Comme ça, on s'enferme dans la prison. On est plusieurs, tu vois. C'est ça. Les gars, caméra, dites-moi où est-ce qu'il y a les taulards qui sont isolés, que je les enferme. Je commence à parcourir la caméra et à lui dire... Découvre un quartier où il y en a un. Là, machin, tac, machin, là, tac, machin. Là. Vous verrouillez tout ce que vous pouvez. Je regarde aussi les caméras extérieures de la prison. Ouais. La masse qui s'est agglutinée, là, donc il... un bon trois quarts de la prison est là, hein. Sauf ceux qui se sont fait descendre ou les rares qui sont coincés. Mais cette fois-ci, ils n'ont pas l'air d'aller très bien. Ils sont nombreux à se tenir des membres, etc. Vous n'avez pas une image qui a été suffisante pour bien savoir pourquoi. Mais ça a l'air sale. Ça a l'air très sale. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est? Tu l'as, il y a un truc là. À l'entrée. Ils sont en train de se... Mais qu'est-ce qu'ils se foutent? C'est un qui tombe au sol, beaucoup qui vomissent. Ils sont en train de crever. C'est l'extérieur qui leur fait ça, ils sont restés trop longtemps. C'est la radiation. Ah non. Je vois que ça. Mais non, mais on a un panneau de alerte radiation avec des capteurs. Alors pour les radiations, oui, mais c'est par rapport aux mines. Mais oui, les mines, y a pas de soucis, visiblement. Y a pas un taux normalement élevé. Non. Tant pis, de toute façon, c'est pas en sortant qu'ils vont respirer l'air et d'un coup les radiations vont les faire exploser, c'est débile. Est-ce que là on a le matériel de sécurité, les armes sont là ou pas? Ça a dû partir depuis longtemps. Non, c'est parti. Non, ça a été pillé. J'essaie de trouver l'accès de communication extérieure. Ah oui. Oui. J'ouvre.
Je contacte les autorités locales. C'est ça, tu contactes tout ce que tu peux. J'envoie un message jusqu'à Terra s'il le faut, juste quelqu'un répondez-moi. Oui, voilà, c'est vraiment. Je m'en fous de savoir s'il qui, vous plaît, répondez. Mais... Et donc, tu dis quoi dans le message? Prison bagne 4578. Ah, c'est ça, ouais. Ici détachement pénitentiaire 85-432. Là, nous avons eu un problème de type 9. Tous les prisonniers se sont révoltés, le personnel a été massacré. Nous avons réussi à nous enfermer à l'intérieur du QG sécurité de la prison. Nous avons besoin de renforts. Je répète, nous avons besoin de renforts. Vous attendez. Il faudra peut-être du temps, vous savez pas. Pour l'instant, il n'y a pas de réponse. Dehors, c'est le massacre général continue. Ils ont tous l'être. T'as l'impression qu'ils sont tous en train de crever. Ils sont en train de crever, putain, mais qu'est-ce que c'est que. Putain. Ils sont en train de s'étriper. Certains s'entretuent, oui, visiblement, se griffent ou se. C'est immonde. Putain, c'est dégueulasse, ils sont en train de s'arracher la peau. Bah, je vois, bordel. Arrête de commenter. Mais c'est des psychopathes de merde. Non, mais attends, c'est pas normal. Et même les taulards qui sont à l'intérieur, ils commencent à avoir des réactions bizarres. Et là, les caméras sont meilleures, on va dire, en qualité. Et vous remarquez qu'ils commencent à avoir des bubons sur la peau. Ils ont l'air de paniquer, de s'étouffer. Je rouvre le canal de communication externe. Ici encore, le pénitencier 85-432. Il y a l'air d'avoir une infection, quelque chose, une peste. Les prisonniers sont en train de mourir d'une maladie. J'aimerais essayer de rentrer en communication, voir s'il y a d'autres forces de l'ordre dans le pénitencier. Bah, sur les seuls ou. Regarde les caméras. Sur, hein. Alors il y a ça, et puis utiliser les canaux des. Oui. Mm-hmm. T'essaies de trouver, collègues. Tu vois, si t'as pas des collègues. Ouais. Les Toki marchent toujours pas. Non. Ouais, ils nous ont niqué les communications. Proches, visiblement, il y a quelque chose. Mais je gueule dans le truc, ici QG contrôle, PC sécurité, nous avons repris le contrôle, nous avons bloqué les prisonniers à l'extérieur. Ils sont en train de... Il se passe quelque chose d'horrible. Répondez. Il y a un peu de délai avant que vous ayez une première réponse. Vous entendez PC sécurité. On est trois ici. On... Je sais pas ce que c'est que ce bordel. Où est-ce que vous êtes? On est... On s'est enfoncé dans les mines. Là, on vient de sortir. Y a plus personne, on dirait, mais les accès sont tous verrouillés. Remontez au QG contrôle. On vous ouvre les accès. C'est verrouillé, on peut pas. On vous ouvre. Ok. Je les repère sur les caméras et je leur ouvre les sas quand je les vois arriver. C'est effectivement des collègues. Ah, ok, on est en train de remonter... Putain, ça remerde. Et tu le vois, t'as plus le son, mais tu le vois en train de... Mmh. Pendant qu'ils montent. Ils arrivent, ils remontent l'escalier, hein, vous verrouillez derrière. Ils se dirigent vers vous. Attendez. Et s'ils ont... Et s'ils ont la merde? S'ils ont chopé la peste? Ils étaient dans mais les mines. Tu vois bien qu'ils toussent pas. Mais ils étaient dans les mines. On est à l'entrée. Ils sont à l'entrée de où là? Du PC. Ah. Je te fais ouais. Signe de pas ouvrir. Qu'est-ce que vous foutez? Attendez, j'ai mon badge. Bip. T'entends là, tu vois la demande d'accès. Dis-leur d'aller dans le poste de sécurité. Je reprends la communication. Écoutez les gars, manifestement, il y a un problème de contamination, on sait pas trop ce que c'est, mais il y a d'avoir une saloperie qui s'est répandue dans l'air, les prisonniers sont malades. Donc le mieux, okay. Pour vous comme pour nous, c'est qu'on reste séparés pour l'instant. Les gars, allez dans le poste sécurité de l'L2. On vous ouvre les accès, on vous enferme là-bas. Ok, il y a rien sur le chemin. On okay, regarde les caméras, est-ce qu'il y a quelque chose. Non, t'as un mec à un moment, mais il est en train de crever, donc bon... Vous avez un tolard à moitié mort sur le chemin, mais tenez-vous l'écart. Il est en train de convulser, okay. Le touchez pas, c'est tout. Ok. On y va tout de suite. Est-ce que sur la ligne extérieure, il y a une console pour tester la ligne? Oui. Je déclenche le test. Juste un truc qui fait ping. Visiblement, vous avez l'émission. L'émission, elle marche.
Mais est-ce qu'on a le retour? Il y a le test retour fonctionne. Ah, donc la ligne fonctionne. La ligne fonctionne. Donc ils ont pas coupé la ligne extérieure. C'est déjà une bonne chose. Niveau entrée de la prison, ça donne quoi? Oh, est-ce qu'il en reste encore debout? Beaucoup de gens par terre, ils sont peut-être 4-5 qui se relèvent, tu sais, qui ont l'air de se relever un petit peu par rapport aux autres, mais le reste c'est une boucherie. Oh, il y en a plus un seul debout. Comprenez pas ce qui vient de se passer. Ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Il y a 2500 gars dehors, ils sont tous morts. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? On se calme. On est en sécurité, les gars, c'est... Ça va aller. Ça m'aura sûrement rien d'être dans une pièce avec des corps qui ont explosé. Tête de la saloperie qui sont en train de souffrir dehors, les mecs. Ouais, bah ça m'aura sûrement rien aussi, mais tu préfères être dehors? Non. Il faut qu'on soit là pour... c'est le seul endroit où on peut contrôler les portes. Ouais. Est-ce qu'il y a un... Est-ce qu'il y a un manuel? Est-ce qu'il y a le même manuel que chez nous? Le même que chez vous. Avec les mêmes logigrammes. Oui, les mêmes. Je cherche... pandémie, infestation, contamination. Contamination bactériologique. Tu sais, donc tu cherches des trucs d'urgence, tu vas chercher super loin dans, voilà, contamination généralisée. Bon, il y a bien un truc. Il y a genre limite une phrase, ouais, si ça arrive, mais c'est très peu probable, lol. C'est pas loin, c'est pas loin. On dit juste qu'en cas de certaines circonstances, il faut utiliser la ligne extérieure pour signaler un problème de type bactériologique. Fait. Ah, ça, on l'a déjà fait. C'est tout? C'est tout. Oh putain. L'infirmerie, elle est comment? Elle a été saccagée ou pas? Oh, tout a été pillé, ouais. Ah, putain. Bon, gardons notre sang-froid. Isidore, ça s'est bien passé jusque-là. Je me trouve un siège qui soit pas recouvert de sang et d'entrailles et je m'assois. Okay, ouais, moi aussi, je m'assois, même si c'est par terre contre un mur. Alors, Isidore, par contre, vous le voyez qu'il est debout. Bon, il est un peu en train de se ronger les ongles, mais il a une énergie que vous ne lui soupçonnez pas. Il est en train de s'affairer sur les écrans. Regardez tout ce qu'il peut. Putain, attends, ça sert à rien, mais voilà. Légèrement stressé. T'as jamais connu aussi actif, Isidore. C'est incroyable. Ah bah attends le contre-coup, hein. Il va dormir pendant 5 jours. Nos collègues dans le poste de sécurité de l'aile 2, ils vont bien? Ils sont entrés et pour l'instant ils vont bien. Ils sont en train de gonfler. Et... Non, arrête. Mais, n'empêche, l'idée de la mine, ça a fonctionné sur ces types-là. Oui. Sauf s'ils sont contaminés. On a pris le contrôle de la prison. Et les mecs sont morts. Résultat, il n'y a pas eu d'évasion. T'es sérieux, là, putain? Tu la rigoles pour de vrai. On est vivant. Pendant votre discussion, sur les caméras, Xedor, toi t'es concentré dessus. Tu remarques qu'il y a quand même quelqu'un qui se balade encore. Putain, les gars, il y a quelqu'un. Là. Il a l'air d'un collègue, mais bizarre. Mais c'est pas un collègue. Comment ça? Pourquoi? Il a bien votre uniforme, il a bien votre tenue, mais maintenant. Il a plein de scarifications sur le visage. Et surtout, il est en train de tenir un gros caillou. Et il touche plein de corps étalés par terre. Qu'est-ce que c'est que cette merde? On est mort. Bah évidemment qu'on est mort. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Et pendant que vous regardez cette chose... Alors, est-ce qu'il y a des choses qui nous viennent à l'esprit de notre culture générale, là? Non, juste que c'est la merde la plus totale. D'accord. Non, c'est juste pour savoir. Et que c'est super chelou. Mais pendant que vous regardez ça... Que ce bordel enfermé dans votre poste de contrôle, pendant que vous regardez ça, vous recevez une communication entrante, enfin. Ah. Oh putain. M'en décroche. Allô? Vous entendez une voix très puissante, presque robotique, métallique. Où en est la situation? Je panique, je prends le... Mais tout le monde est mort, voilà la situation, putain. Ah ouais, pas tous morts, on a encore 6. On est dans le PC contrôle secteur et dans le poste de sécurité de l'L2, on est 3 et 3. Et il y a aussi un autre collègue qui est dehors, mais il a pas l'air bien lui par contre. Je pense qu'il a pété un câble, il est en train de faire des choses avec les cadavres et avec un caillou.
Un caillou, vous dites? Alors là, allô, je sais pas pourquoi, j'ai mon sang qui glace. Allô? Oui? Ne vous inquiétez pas. Ici la très sainte Inquisition. Ah! Les meilleurs de l'Empereur viennent vers vous. Nous venons vous chercher. Je récite une prière dans le feu. Et vous arrivez dans combien de temps? Vous arrivez quand? On est mort. Tenez bon. Nous arrivons.